Eh bien, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de Candidateur avec Bilal Fatna. C'est ça, c'est bien ça, bonjour. Tu peux parler fort dans le micro ? Bien sûr, là, vous m'entendez ? 1, 2, test, test, ouais. Voilà. Bilal, tu viens de gagner au vote du public ce soir à Candidateur. Exactement, c'est ça, c'est bien ça, c'était excellent, c'était super. Voilà. Tu sais qu'on est assorti aux couleurs de l'affiche de Candidateur, regarde, t'as vu ? On dirait que tu l'as fait exprès. Ouais. Je le porte bien, je la porte bien plutôt cette victoire. Alors tu sors d'où toi, qu'est-ce que tu fais? Je sors du 19e arrondissement dans l'Est parisien et je fais du stand-up depuis pas très longtemps. Et voilà quoi, c'est la passion qui on va dire qui me pousse à faire ça. Alors t'as combien de temps de spectacle d'écrit déjà? Là pour l'instant je dois avoir un petit une demi-heure peut-être, parce que j'ai même pas parce que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais quelque chose de parodé quoi encore. Je suis vraiment encore dans le début. Parce que là, tu te retrouves en 8e de finale à partir du 13 mai, c'est dans un mois et demi, donc il va falloir bosser bien, t'admire, tu vas le faire. Bien sûr, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'est la passion qui fait pousser tout ça. D'accord, donc tu as le droit de faire plein d'autres scènes ouvertes, de roder maximum pour arriver en forme ici. Là, on va se roder bien évidemment. Tu es conscient qu'il y a un jury de professionnels qui va décider. Ah bon, j'étais pas au courant. Non, bien sûr. Parce que Pourquoi tu veux faire du stand-up? C'est un truc que là déjà à la base c'est pour faire rire les gens déjà, parce que c'est un truc que j'aime bien déjà, à la base c'est un truc tout con, et après comme j'ai vu qu'on pouvait en faire un métier ou même en vivre, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça, et voilà quoi, je fais ça en parallèle des études. Quoi, tu fais quoi comme études? Je suis en fac de lettres, je fais d'informatique et des lettres, voilà. Informatique, tu peux faire des chiffres et des lettres alors? Ouais, exactement, ouais, c'est un truc bizarre. On fait aussi du compas et du chocolat. On fait les deux en même temps. Voilà. Tu vois, t'as déjà un sketch qui commence à démarrer. Ouais. On a l'habitude de terminer par une connerie à faire ou à dire tout de suite. D'accord. Chat beauté, piscine. D'accord, c'est tout pour moi, merci. On voit que tu bosses dans l'informatique, hein. Y a pas à chier quoi. C'est humour informatique si j'ai bien compris. HTML, CSS. Très bien. Développement. Ok. Parfait, écoutez, on va se quitter avec cet humour informatique-là. On vous souhaite une belle soirée si c'est le soir ou une belle matinée si c'est le matin. Merci.